venons d'entendre Madame la Ministre, une fois de plus, intervenir au sein du congrès du CNGE conduit à prendre en compte la discipline universitaire et au-delà la discipline tout entière. C'est tout l'intérêt d'entendre les personnes en responsabilité, de les y inviter, de les interpeller sur des sujets qui nous semblent importants. Les mesures citées du pacte territoire santé sont incontestablement de bonnes mesures pour la médecine générale et les patients. Évidemment, également, leur déclinaison et leur amplitude ne pourront pas résoudre le problème et la difficulté démographique à l'échelle industrielle de la médecine générale et des territoires. Le label universitaire des maisons et centres de santé sera officialisé d'ici la fin de l'année, nous en avons la confirmation, avec la publication des textes entérinant la localisation des missions universitaires en médecine générale, ambulatoire, hors établissement et hors CHU. Le fléchage sur les années recherche avec un jury spécifique correspond à une demande que nous faisons de longue date. C'est dans la même logique que nous réclamons et que nous réclamerons des appels d'offres dédiés et l'évolution du entre guillemets PHRC ambulatoire, PHRC médecine générale vers un véritable programme ambulatoire de recherche clinique en médecine générale. La sanctuarisation des formations à la maîtrise de stage hors quota personnel de chaque médecin dans le DPC, est aussi une condition que nous demandons à sanctuariser pour permettre la formation dans des conditions compatibles avec les exigences de l'environnement professionnel. Si nous réclamons ces mesures, et d'autres encore, ce n'est évidemment pas dans le cadre de revendications catégorielles pour les enseignants. D'ailleurs, il y a le SNEMJ pour cela, il le fait très bien. Ni même de demandes catégorielles pour la discipline. C'est parce que ces mesures participent d'un sens global que nous donnons à la médecine générale, à la formation des futurs professionnels et à la recherche disciplinaire. La discipline universitaire, en effet, doit se nourrir du sens que représentent la médecine générale et les soins premiers pour les patients et pour la société. Une discipline, une spécialité dont le cœur vise à s'occuper, à prendre soin des patients, à allier rigueur scientifique et humanité pour initier et décliner une démarche d'autant plus ouverte et rigoureuse qu'elle prend en compte les opinions et les savoirs du patient. C'est dans cette acception que nous travaillons à développer la médecine générale scientifique et universitaire. C'est pour cette finalité que nous cherchons à former les étudiants et les internes pour qu'ils deviennent des professionnels de qualité et d'excellence. Pour cela, nous avons impérativement besoin d'un environnement qui le permette structurellement. La société gagnerait à mieux structurer cet environnement. Et là, il y a encore des marges d'amélioration extrêmement importantes. De cette réflexion procède la revalorisation identitaire de la discipline. Elle passe par la cohérence de sa place, de ses missions, de ses professionnels dans le système de santé. Nous en discuterons de manière plus approfondie cet après-midi dans la plénière sur le système de santé axé sur les soins premiers. Nous martelons depuis des années que ce ne sont pas seulement les conditions d'exercice, notamment financières, qui sont susceptibles de changer la donne et de faire bouger les lignes. Mais ce sont aussi les conditions de la formation initiale, car cette dernière doit être, dans la mesure de ses moyens, à la fois motivante et modélisante. Voilà le pourquoi de la bataille de la FUMJ, qui ne raconte pas des faits guerriers survenus dans des pays aux idiomes étranges, mais qui constitue le combat pour la création et le développement d'une filière universitaire à travers les moyens qui lui sont donnés. C'est le sens de la demande des postes de titulaires, des postes structurellement à confirmer année après année d'enseignants associés et de chefs de clinique. Il faut évidemment se féliciter du succès cette année de la dernière vague d'intégration des enseignants associés, à laquelle faisait allusion Madame la Ministre, avec les 23 nouveaux professeurs des universités et les 9 nouveaux maîtres de conférences des universités intégrés, le succès de la nomination des 35 nouveaux enseignants associés
et la nomination des nouveaux chefs de clinique sur le contingent des 40 postes supplémentaires. Car à travers l'augmentation des postes, c'est la capacité d'action de la filière universitaire de médecine générale pour la formation et la recherche dont il est question. C'est pourquoi je me réjouis évidemment de l'annonce et de la confirmation des 40 postes supplémentaires de chefs de clinique des universités, sujet sur lequel nous travaillons en collaboration étroite avec le président de la conférence des doyens depuis plusieurs semaines. Mais la question sur laquelle je souhaiterais que nous réfléchissions aujourd'hui est celle des maîtres de stage. Question fondamentale quand on réfléchit à la filière universitaire et à la manière de la décliner. Question du nombre de maîtres de stage, des possibilités d'encadrement des maîtres de stage, de la pertinence de l'activité professionnelle des maîtres de stage. Le nombre des maîtres de stage est passé en quelques années de moins de 7% à plus de 15% du corps professionnel. La diffusion de la fonction de maître de stage des universités au sein du tissu professionnel devient alors un enjeu à plusieurs titres. Pour l'augmentation du nombre de stages en médecine générale dans le DES et dans le futur DES, la poursuite du recrutement est indispensable. Plus le pourcentage de la profession impliquée dans l'enseignement est important, plus les fondamentaux de la maîtrise de stage, que sont accepter le regard de l'autre sur sa pratique, justifier et argumenter ses choix, se référer aux données actualisées de la science, nommer et théoriser sa pratique pour pouvoir la transmettre, superviser la performance de l'étudiant, plus ces fondamentaux infusent dans le corps professionnel. Et plus le corps professionnel s'implique dans ses réflexions, plus nous pouvons postuler que le corps professionnel gagne en qualité. Mais tous les indicateurs ne sont pas au vert. Et je serais peut-être plus satisfait, ou je serais même comblé, disons-le, quand plus de la moitié des maîtres de stage des universités viendront à ce congrès, seront abonnés à la revue Exercée et seront inscrits sur le réseau d'investigateurs du Collège national. Parce que ce sont ces outils qui permettent de forger une culture et une identité commune cohérents avec les fondamentaux professionnels. Il faut donc convaincre les professionnels en exercice et convaincre tous les jeunes si nombreux aujourd'hui qu'il faut continuer à venir au congrès, qu'il faut communiquer, qu'il faut lire, qu'il faut écrire et qu'il faut s'abonner à Exercer et qu'il faut participer à la recherche. Nous postulons que, dans le sens que nous donnons au développement de la médecine générale, cette question concernant les maîtres de stage est d'importance fondamentale. Les postulats ne sont finalement que des hypothèses que l'on ne prend pas la peine de démontrer, soit parce que c'est trop difficile, soit parce que tous les acteurs l'ont déjà admis de manière implicite, soit parce que ce serait trop dangereux si jamais nous nous trompions. Et peut-être un peu de tout ça à la fois. C'est pour ça qu'au-delà de convaincre, il faut démontrer. C'est pourquoi étudier de manière scientifique et rigoureuse si les MSU, maîtres de stage des universités, peuvent être représentatifs du corps professionnel, en quoi ils en seraient similaires ou différents, devient nécessaire pour avancer. C'est pourquoi étudier de la même manière si être MSU implique ou non à une pratique différente des professionnels non MSU, doit nous éclairer et éclairer les tutelles. C'est à ces questions que se sont intéressés les travaux de recherche conduits par des universitaires de la discipline qui vont vous être présentés maintenant et auxquels je vous demande d'accorder toute votre attention. En toile de fond de ces travaux, n'oublions pas que nous parlons de l'impact de la maîtrise de stage sur le corps professionnel. N'oublions pas que nous traitons de l'impact sur les futurs professionnels de la formation et de la recherche, pour être utile, pour faire du bien, pour s'occuper bien des patients dont aujourd'hui la société, les patients ont collectivement et individuellement beaucoup besoin. Merci de votre attention.